Bonne journée internationale de la femme à toutes les femmes du monde. Happy Women's Day to all the women in Cameroon. T'es malade, tu as fumé le chanvre. Ok, fumé le chanvre comment? Le 8 mars est devenu une journée de dépravation des mœurs. Tu as dit ça? Je ne sais pas, grand-père, la mère, c'est vrai? On est fâché, ce n'est pas bon. Et vous êtes fâché pourquoi? Le pays est mauvais. Ah, qu'est-ce qui est mauvais au pays? Les gens ne font que mourir. C'est vrai, les gens meurent trop par empoisonnement. Il y a la guerre à Bamenda. Waouh, et vous avez décidé quoi, maman? Le 8 mars. En noir. Eh, okay, maman, pardon, parle l'autre là en langue maternelle. Mbambongore, ma lobe camerounaise, bise. Ne bi boîte. À 8 mars, en noir. Asamouam. Quoi? À 8 mars, en noir. Asamouam. C'est ta langue maternelle comme ça? Tout ça, c'est les mangas, hein? Seigneur, jusqu'à quand? Faut laisser le chanvre. Donc, c'est le chanvre. Mais le quartier connaît. Bon, la mère, pour ou contre le 8 mars? Par rapport au 8 mars, si tout dépendait de moi, ça ne devait pas exister. Et l'envers rouge. Waouh, la mère, si n'a rien compris. Qui peut nous expliquer le rôle du 8 mars? La journée du 8 mars est une journée de revendication des droits de la femme et non une journée de dépravation. Maman, tu as compris? Et si même nous vivons mal? Ouais, la mère, je demande si tu as compris. Vraiment, nous souffrons. Maman, continue. Dorénavant, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme et non la journée internationale du pain de la femme. Vous comprenez dans la compréhension? Oh, les dames là, vous comprenez? Voilà, le Cameroun me voit. Hé, qui est? C'est quel genre de femme encore ça? Les femmes hommes d'affaires. Hé, quoi? Les femmes hommes d'affaires. Hé, laissez les gens. Vous riez comme ça alors qu'il fallait plutôt comprendre le rôle du 8 mars. Hein? Par conséquent, ce 8 mars, portez le noir. Quitte-la! On va alors voir si les femmes ont respecté tes consignes là. Ta femme, c'est ton plus beau Prado. Hey, qui est? Ah, c'est un homme ça ou c'est une femme? Tu ne prends pas soin d'elle. Ok. Mayama te faut. Hey! Maman, depuis quand les hommes portent les cabas? Eh oui! Papa, c'est maintenant la fête des hommes? Ça nous dépasse! Stevafa. Oh, je t'arrête. Vous qui venez bavarder là. Mais on prend une pause publicitaire avant de continuer. Pause publicitaire. Enseda est une nouvelle société spécialisée dans l'énergie renouvelable. Initiée par un jeune entrepreneur sorti de l'école polytechnique de Maroua. Promotion 2012. Donc, tous ceux-là qui sont dans le besoin d'installer les panneaux et des plaques solaires dans leurs entreprises ainsi que dans leurs domiciles, contactez la société Enseda. Enseda assure également le bon fonctionnement et l'entretien pour ceux qui ont déjà installé ces panneaux chez eux. Ce jeune entrepreneur a également besoin de votre soutien financier parce qu'il a un projet de fabrication de panneaux et lampes solaires made in Cameroun. Ah bon? Oui. La société Enseda est située à Yaoundé, quartier Ekié, immeuble Melo. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations et plus de détails. Ok. Le commerce, les produits font gonfler les seins, qui font gonfler les fesses, ça a pris partout. Attends. La main, c'est un homme ça, c'est pas une femme. Vraiment, au soir, on célèbre la femme. C'est quoi ça? Ah, on peut faire comme ça, les hommes prennent l'avance comme ça, peut-être les femmes ont boycotté, vrai. Ça devait être clair. S'il vous plaît, présentez-nous un peu quelques femmes en Kava. Ah, ça nous rassure. Vraiment, félicitations. Présentez-nous également les femmes en noir voix. Ouais, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. What? Eric, donc personne n'a mis le noir. Non. Non. Voilà. Je savais. J'ai une femme. Oh, arrête avec les rires. Montre même pour l'année passée. S'il vous plaît, maman, ne pleurez pas trop. Il y a la guerre à Bamenda. C'est vrai. Les gens ne font que mourir. Waouh, maman Asia. Même comme beaucoup font semblant de ne pas comprendre ça. Mettez-vous en noir. Vous racontez quoi? Et le défilé là-même. Il faut arrêter ça. Oh, la mère, n'exagère pas. Il faut marcher. Parce que le 8 mars, c'est la revendication. C'est vrai. Mais chacun est aussi libre dans son choix, non? Je sais que quoi? Votre situation. Comment est-ce que la femme se porte au Cameroun le 8 mars? C'est le message que vous devez passer. Zazaziza, abyssion de flore, da da da. Adieu, Madame Cooper. Adieu. 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 Nous ne t'oublierons jamais. Le monde entier te pleure. Adieu. 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 Bye, repose en paix. La famille te pleure. Tu es parti, ils ont dit au revoir. Si c'était pour
Madame Cooper. Adieu. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Alors faites toujours du bien autour de vous. Comme Madame Cooper. Partagez. Partagez. Aimez. Aimez. Pardonnez. Pardonnez. Ah oui. Ah oui. Adieu. Et c'est également le nom de sa page. Vous pouvez voir l'intégralité du clip sur cette page là, Fabrice. Donc l'artiste réside du côté de Bafoussam. Il avait également sorti une belle mélodie quand mon père était décédé. Voilà, la distance ne nous permet vraiment pas de travailler. Cet artiste a besoin d'un bon producteur et d'un bon manager. Voilà son contact, contactez-le. Si vous avez aussi besoin des mélodies pour vos anniversaires, vous pouvez le contacter. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.